Alors, bonjour Mauro. Bonjour, salut Audrey. Aujourd'hui, on a ce rendez-vous Skype pour un interview sur le projet que tu as réalisé lors de ton voyage en Amazonie, oui. Où tu as rencontré les Yanomami. Mm-hmm. Et à l'issue de ce voyage, tu as pu réaliser un documentaire. Oui, c'est ça. Qui s'appelle Filos d'Alua, la voix des Yanomami. Oui, exactement. Donc, pour la traduction, alors Filos d'Alua, ça veut dire les enfants de la lune. J'ai longtemps cherché pour un titre. Ce serait intéressant de donner un titre à ce documentaire qui parle indirectement de leur culture. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la culture Yanomami, la lune jouait un rôle très important parce que au niveau de leur mythologie, la lune y est fortement présente et eux-mêmes, donc les Yanomami, se considèrent en tant qu'enfants de la lune. Au lieu de venir qualifier ce peuple avec un regard européen, je me suis dit, tiens, ce serait plus intéressant de reprendre la manière dont eux-mêmes ils se perçoivent. Et là, ce sera, voilà, les enfants de la lune. Très intéressant. Donc, ce voyage en Amazonie, tu n'es pas arrivé là-bas par hasard. Comment as-tu connu le peuple des Yanomami? Effectivement, pour aller chez les Yanomami, c'est pas si simple que ça. Alors, il suffit pas d'acheter un ticket d'avion et de dire, bah, écoute, je vais voir les Yanomami demain. Ça fonctionne pas comme ça. Alors, peut-être malheureusement, mais quelque part aussi heureusement, parce que au moins, ça les protège un peu dans le sens de leur territoire. Donc, comment je suis arrivé chez les Yanomami? Alors, je voulais faire un projet de volontariat en Amérique latine. Et donc, au Luxembourg, on a ce qu'on appelle le Service national de jeunesse qui s'occupe de ce projet-là, c'est-à-dire du projet d'envoyer quelqu'un en tant que volontaire, soit en Europe, soit ailleurs dans le monde. Et moi, à la base, j'étais parti pour aller au Pérou, en fait, parce que mon idée initiale était de rencontrer des peuples amérindiens. C'était ça ma volonté. Et donc, j'avais déjà négocié avec une ONG ici de Luxembourg pour partir au Pérou, quand à un moment donné, par pur hasard, je tombe sur un projet avec les Yanomami qui se passe en Suisse. J'ai appris qu'en même temps, une ONG luxembourgeoise que je venais de contacter allait entrer en collaboration avec cette ONG suisse. Et ce qui veut dire qu'en intégrant l'ONG luxembourgeoise, j'avais indirectement accès à ce projet-là. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un volontariat là-bas, chez les Yanomami. Donc, malheureusement, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons purement techniques, ça n'a pas pu se faire parce que pour aller en tant que volontaire dans un contexte amazonien, malheureusement un an c'est assez peu parce que il y a un temps d'adaptation qui est assez long, ça demande un temps de réflexion, c'est-à-dire un temps pour essayer de comprendre le contexte dans lequel on se trouve. En Amazonie, tout est différent, pour ainsi dire, ne serait-ce qu'au niveau du climat, de l'environnement, et puis aussi, bien sûr, des questions politiques qui se posent. Puis, évidemment, il y a toute la notion de culture des Yanomami qui doit être considérée à 100%, et donc en moins d'un an, faire tout ça, c'est quand même relativement compliqué. Et donc, le partenaire sur place qui pouvait accueillir des volontaires, ils nous ont bien fait comprendre que moins d'un an, ce ne serait pas possible en tant que volontaire. Voilà, ce qui fait que je suis parti uniquement en tant que chargé de ce projet, à partir de l'ONG luxembourgeoise. Et c'est ça qui m'a donné en fait accès à ce terrain-là. Parce que il faut toujours négocier son entrée sur le terrain. Et ici, la légitimité que j'avais, c'était que j'étais responsable d'un projet d'éducation différencié avec les Yanomami. Et donc, c'est ça qui a légitimé mon entrée sur le terrain. Parce que pour la petite parenthèse, pour entrer en territoire indigène au Brésil, il faut deux autorisations différentes. La première, c'est de ce qu'on appelle la FUNAI, donc c'est la Fondation Nationale de l'Indien, qui dépend directement, si je me trompe pas, du ministère de la Justice au Brésil. Oui. Et donc c'est eux qui doivent déjà donner une première autorisation. Et tout ça dépend du projet qu'on a et de la raison pourquoi on veut aller sur place. Et puis l'autre, qui n'est pas du tout moins importante, c'est que le peuple Yanomami doit être d'accord avec ta venue. Mm-hmm. Et donc voilà. Et si on n'a pas ces deux autorisations-là, on risque de se faire expulser du territoire si on est contrôlé. D'accord. Et donc toi, tu es parti combien de temps chez les Yanomami? Oui, au total. Alors il y a eu deux moments. Le premier, c'était en 2013. Là, je suis resté 2 semaines sur place. Donc sur place, c'était en Amazonie. Et sur ces 2 semaines-là, j'ai passé 1 semaine à Roraima, c'est dans un autre état du Brésil, avec d'autres peuples indigènes. Et la 2e semaine, j'ai passé 1 semaine avec le peuple Yanomami, dans l'état de l'Amazonie. Et c'est de cette semaine-là où est né le documentaire Filos d'Alua. Et la 2e fois où je suis retourné en Amazonie, c'était en 2016. Et là, c'était dans le cadre d'un stage où j'ai pu rester 9 semaines sur place. Et sur les 9 semaines, j'ai passé presque un mois chez les Yanomami en Amazonie. Donc,
Donc, tu veux dire que tu vivais dans leur village, tu habitais avec eux, tu partageais ton quotidien avec les Yanomami. Alors, c'est à peu près ça. Quand je dis à peu près, c'est parce que je n'ai pas eu l'autorisation de la FONAI pour entrer en terrain Yanomami, même si les Yanomami voulaient que je vienne. Et comme j'étais stagiaire au sein d'une organisation qui s'appelle Sequoia, qu'on peut voir dans le documentaire notamment, donc voilà, sans cette autorisation-là de la FONAI, parce que pourquoi je ne l'ai pas eu? Bah, tout simplement parce que on n'en a pas fait la demande. Faire la demande à la FONAI demande une organisation assez complexe. Si on fait la demande aujourd'hui, on n'a pas de garantie qu'on aura la réponse dans 6 mois. Et donc voilà, je n'avais pas trop de temps pour attendre cette autorisation ou pas. Et alors j'ai essayé de trouver une alternative pour les rencontrer quand même. Et donc, pour essayer d'expliquer un peu, donc il faut s'imaginer que au sein même du Brésil, il y a des territoires qu'on appelle des territoires indigènes, et donc où il y a une frontière à un moment donné entre le territoire brésilien et le territoire indigène. Et donc là où moi je me suis rendu était vraiment à la frontière du terrain du territoire des Yanomami, ce qui fait que ce n'est pas moi qui suis entré dans leur terrain, mais c'est eux qui sont descendus à la frontière, parce que si on veut, il y a un, je sais pas le terme officiel, mais c'est juste pour essayer de mieux comprendre, il y a comme un poste frontière, on va dire, hein. C'est-à-dire que il y a une maison en plein jungle qui appartient à une dame française d'ailleurs, à qui je m'entends très bien. Et donc j'ai passé 3 semaines chez elle, en fait, chez elle à la maison, elle habite là, et c'est un lieu de passage pour les Yanomami. Donc à chaque fois que les Yanomami, ils veulent se rendre en ville, donc quand ils veulent quitter leur communauté et qu'ils veulent se rendre en ville pour une quelconque raison, bah ils passent par la maison de Anne Ballester. Et donc rien qu'en étant là pendant les 3 semaines, bah tous les jours, il y avait des enfants Yanomami, des mamans Yanomami, des chamans, des personnes âgées. Il y avait tout le monde qui passait par là, ne serait-ce que pour faire une petite pause, parce que venir d'une communauté Yanomami à une autre, ça demande pas mal d'heures en pirogue. Et des fois, on parle même de quelques jours d'une communauté à une autre. Et donc, ils aiment bien s'arrêter quand ils le peuvent pour dormir des fois, pour se reposer, pour manger. Et donc, c'est à ce poste-là où j'ai passé 3 semaines. Et où j'ai pu les rencontrer sans avoir la permission de la FONAI pour aller en territoire indigène. Que plus tard, t'as pu te rendre dans un village? Alors, jusqu'à présent, je n'ai jamais été dans une communauté Yanomami en soi. Alors, il y a diverses raisons. Déjà, il y a la première raison, c'est celle du temps. Même après avoir passé 3 semaines, ça n'a pas été possible d'aller les voir. Ça requiert toute une organisation. Ça requiert, en tout cas, pour moi, c'est une question d'éthique. Alors effectivement, j'aurais pu essayer d'imposer ma présence à la communauté. J'aurais pu demander à la communauté d'aller visiter leur village, tout simplement. Je sais qu'ils auraient accepté, ils en auraient été ravis. J'étais plutôt dans une posture où je me suis dit, s'ils ont envie que je vienne, ils vont m'inviter. Et donc cette invitation, elle est venue effectivement, mais elle est venue assez tard, de manière à ce que je n'ai pas pu honorer cette invitation parce qu'était le temps pour moi de repartir à Manaus. Et donc cette invitation, elle a eu lieu. Il y a même eu une invitation officielle, donc par email, où ils me donnent toutes les autorisations pour les visiter. Mm-hmm. Et donc je pense que ça va se faire lors d'un prochain voyage, tout simplement. Rien ne presse. Et voilà, pour moi c'est important que la demande vienne de eux et que pas que ce soit encore une venue imposée par quelqu'un extérieur à la communauté. Et donc, quand tu vivais dans cette maison, sur place, tu dis que régulièrement, tu avais des personnes, des Yanomami qui passaient aussi par cette maison. Ils étaient en groupe, ils voyageaient en famille. Quelle était un peu l'ambiance dans cette maison? Effectivement, la plupart, ils venaient en famille, donc... Il faut s'imaginer une pirogue avec un petit moteur derrière. Ce moteur-là, il fonctionne avec un peu d'essence. Et donc, chaque aller-retour va coûter un peu d'argent et à une mamie aussi. Donc, peut-être pour des questions de rentabilité, on va essayer de faire monter un maximum de personnes à chaque fois. Mm-hmm. Et donc, j'étais dans cette maison-là. Après, je parlerai moins de maison, mais je parlerai plutôt d'un espace, parce qu'il y a plusieurs lieux d'habitation, on va dire. D'accord. Et donc, l'idée, pendant les 3 semaines-là, c'était de proposer des cours aux Yanomami, c'est-à-dire qu'il y avait des cours sur le fonctionnement politique au Brésil, il y avait des cours sur les droits fondamentaux des citoyens brésiliens,
Il y avait des cours sur les droits de l'homme, il y avait des cours sur les droits des peuples indigènes en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de droits à préserver leurs traditions et leur culture. Et pour ce, il y avait plusieurs anthropologues qui se sont déplacés au même moment que moi dans cet espace-là. Donc c'était aussi un espace d'échange où il y avait régulièrement, enfin, on était à 3 ou 4 intervenants. Moi, je ne suis pas intervenu, j'avais uniquement une place d'observateur parce que je l'ai choisi. Et donc voilà, tous les jours on se levait, il y avait des cours qui étaient proposés et c'était pas des cours comme on peut se l'imaginer ici en Europe, c'était pas le professeur qui était placé en tant que spécialiste, c'était pas ça. C'était un échange avec une partie de la communauté et les gens qui participaient aux cours, c'était des gens qui avaient un rôle social important dans les différentes communautés Yanomami. On retrouvait des chamans, beaucoup de chamans. On retrouvait aussi des professeurs Yanomami qui eux-mêmes donnent des cours dans leur communauté. Il y avait des femmes Yanomami aussi, mais il y avait aussi des enfants, donc tout le monde était un peu représenté. Et donc l'idée était de favoriser un échange avec les Yanomami sur plein de questions, aussi des questions qui venaient de eux, donc des questions qui n'étaient pas prévues dans le cours. C'était ça l'idée. Donc ce qui explique qu'il y avait de la présence d'autres anthropologues et qu'il y avait beaucoup de Yanomami qui étaient là tous les jours en fait, qui dormaient sur place avec nous aussi. D'accord, donc c'était un véritable lieu d'échange et de transmission à travers de différents horizons, que ce soit probablement l'ONG ou l'association avec laquelle tu étais, les anthropologues et les Yanomami eux-mêmes. J'imagine qu'ils étaient aussi dans cette dynamique d'échange et de transmission. Oui, exactement, c'était ça. Et pour continuer, donc, le sujet principal aussi qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de ce séjour, tu as réussi à collecter suffisamment d'enregistrements pour réaliser un documentaire indépendant. Et je suppose que ce projet n'est pas vraiment tombé du ciel. Donc, à quel moment tu as l'idée de réaliser un documentaire sur les Yanomami est apparue? Comment un peu tu as eu cette démarche de t'orienter vers ce projet? Alors, pour situer un peu, on est en 2013. Je reviens de mon premier voyage d'Amazonie. Je viens de passer une semaine avec les Yanomami. Et pendant cette semaine-là, dans mon temps libre, sur place, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire quelques interviews avec des Yanomami parce que au fur et à mesure qu'on discutait au jour le jour, je trouvais qu'ils avaient un discours très très intéressant, une vision du monde qui était différente et j'avais envie de quelque part garder une trace de ça. C'était mon point initial était ça, donc j'ai pris mon appareil photo que j'avais, un tout petit appareil photo, et j'ai demandé à l'un de notre Yanomami s'il était d'accord que je le filme et que je lui pose des questions, et il se trouve qu'ils en étaient vraiment ravi. Et donc, évidemment, pour des raisons de langue, je n'ai pu qu'interviewer que les Yanomami qui parlaient portugais, parce que je ne maîtrise pas la langue Yanomami. Et donc, ce qui fait que je crois que j'en ai interviewé 3 au final. Parce que c'était quoi l'idée? L'idée, c'était simplement d'en garder un souvenir, d'en garder une trace, de peut-être le montrer à l'un ou l'autre ami une fois de retour. Mais c'était surtout pour moi, c'était un souvenir de voyage, comme on aurait pu acheter un souvenir sur place. Moi, c'est ce style de souvenir que je voulais garder. Et donc, cette démarche-là, c'était pas du tout dans une optique de tiens, je vais faire un documentaire. Ce n'est qu'en revenant, donc fin 2013, je me suis dit tiens, en réécoutant toutes les interviews, je me suis dit mais franchement, ce serait vraiment dommage que ces interviews-là restent que sur mon disque dur, parce que je me rendais compte au fur et à mesure où j'en parlais à mon entourage, ce que j'ai vécu, ce que les Yanomami me disaient, tout ça, que ça intéressait pas mal de monde en fait. Et alors à ce moment-là, j'ai un ami d'enfance qui m'a proposé justement tiens, et si on en faisait un petit documentaire? Parce que lui-même, il venait de finir son premier documentaire à ce moment-là, et il avait les connaissances techniques, les moyens techniques, et tiens, j'ai accepté cette idée. On s'est dit pourquoi pas, donc on avait 0 moyen, 0 € pour le faire, que de la bonne volonté, et voilà, ça s'est fait comme ça, on l'a construit sur, je sais plus, 8 ou 9 mois, je crois, 2-3 fois par semaine, on se voyait, et on a fait ça, quand on avait le temps, voilà, il n'y avait pas d'horaire fixe, hein. T'attends aujourd'hui, ouais, ok, je passe chez toi, et on le fait. C'est comme ça que ça s'est fait, voilà. Et quand tu as proposé aux Yanomami de les interviewer, et après tu leur as parlé certainement de ce projet de documentaire, comment ça a été accueilli, cette idée d'être... sur un documentaire qui allait être public, on va dire, par la suite. Le rapport à l'image, comment c'est, voilà, dans cette culture, cela est vécu. Est-ce qu'il y a une démarche particulière? Il y a eu une discussion particulière? Oui, alors, faire des interviews avec les peuples indigènes de manière générale, je dirais, même avec des personnes qui ne sont pas indigènes, enfin, à partir du moment où on fait une interview avec une personne,
Je pense qu'il y a vraiment une posture éthique qui doit être respectée, dans le sens où la personne doit être d'accord, la personne doit avoir un minimum d'informations sur ce qui sera fait avec les images, qui aura accès, etc. Et surtout, il faut que la personne elle puisse voir le produit final avant qu'il soit diffusé, parce que peut-être que la vision du réalisateur vient déformer totalement les propos initiaux. Et donc moi c'était vraiment une préoccupation éthique que j'avais au départ, c'est-à-dire je demande au Yanomami s'ils veulent bien accepter une interview, et ils ont tout de suite dit oui, et ils m'ont dit s'il te plaît partage ces images avec ta communauté à toi, ils m'ont dit. Et j'ai voulu honorer ça, et sauf que au début dans ma tête je me suis dit tiens je vais peut-être les mettre sur YouTube ou un truc comme ça, mais en forme d'interview brute, on va dire, je vais pas le travailler comme un documentaire, mais c'est petit à petit que ça s'est construit l'idée du documentaire. Et donc au fur et à mesure que j'avançais dans ce cheminement-là, j'ai pris contact avec Sequoia, qui eux ils ont pris contact avec les Yanomami pour voir ce que eux ils ont pensé. Et donc je devais toujours attendre un feedback. Parce que, alors contacter Sequoia c'est assez rapide, hein, ça peut se faire par Skype ou par mail, par téléphone, mais contacter les Yanomami c'est plus compliqué. Donc je devais attendre que quelqu'un de la Sequoia se déplace sur le terrain, aille voir les Yanomami, leur retransmettre le message, et puis qu'ils reviennent chez Sequoia. Donc des fois il y avait des mois qui passaient sans que j'ai des nouvelles. Et donc j'ai dû attendre ça. Et une fois que j'avais un certain feu vert, je me suis lancé avec mon ami. Et on a construit ce documentaire-là, puisqu'il nous était très très important, c'est-à-dire que justement, au fur et à mesure qu'on avançait, on a envoyé l'une ou l'autre version du documentaire à la Sequoia. La Sequoia l'a montré à certains Yanomami qui s'y sont intéressés, et ils nous donnaient un feedback. Ils nous disaient par exemple, présenté comme ça, les gens pourraient croire que, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Alors donc, ça nous a amené à réfléchir, comment est-ce qu'on va présenter la même question en réduisant le plus d'ambiguïté possible. Et donc c'était vraiment un échange. Et une fois que le documentaire était fini, on l'a réenvoyé, il a été validé. Puis à un moment donné, il y a une avant-première qui s'est réalisée ici au Luxembourg, qui a été d'ailleurs assez bien accueillie. On a quand même réussi à remplir une salle de plus de 150 personnes, si je me trompe pas, donc quelque chose à laquelle je m'y attendais vraiment pas du tout. Et ce qui était vraiment génial, c'est qu'on a réussi à faire venir un Yanomami sur place le jour de l'avant-première. Et donc quelque part, c'est lui qui portait ce projet-là, c'est lui qui portait ce documentaire, c'est lui qui répondait à beaucoup de questions, et c'était ça qui était génial en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un projet à moi personnellement, c'est un projet qui appartient un peu à tout le monde. Si on veut, ce qui importe, c'est le message qu'il y a derrière. Et donc, c'était Carlito, Yanomami, qui répondait à la majorité des questions. On avait un traducteur, donc Carlito parle portugais, mais on avait un traducteur pour traduire dans d'autres langues. Et ça s'est très bien passé. Donc, Carlito, il a pris l'avion pour la première fois de sa vie. Il a dû faire un passeport. Il est venu accompagné de Silvio, lequel on peut voir dans le documentaire, donc le sociologue de la Sequoia. Oui. Ils ont voyagé tous les deux, et donc voilà, ils ont mangé à la maison ici. Donc une fois j'avais été chez Carlito au Brésil, et puis une fois c'est lui qui est venu chez moi, donc c'est très 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 enrichissant comme échange. Oui, c'est plus qu'un documentaire, c'est une incroyable aventure derrière, et qui a fait vivre beaucoup de choses à beaucoup de gens. Quand on écoute ton discours, c'est ce qui est très intéressant. Oui, ça, c'était vraiment un échange d'humain à humain. Avant tout, c'était ça. J'aime bien cette idée de discussion. On est en plein dans l'interculturalité, hein. Il y a deux mondes qui se rencontrent clairement. Au lieu de toujours voir ce qui nous différencie, on a vraiment essayé de voir où est-ce qu'on se rejoint, et on se rejoint dans une idée commune qui dit que chacun a le droit de vivre d'une manière digne, dans le respect de ses croyances, dans le respect de ses traditions. Il n'y a pas de culture qui ait plus de valeur qu'une autre. Il y a des cultures qui existent et qui doivent tout mettre en place pour coexister, enfin selon moi. Je suis totalement d'accord avec ce projet, et puis c'est comme ça que je t'ai connue, par la diffusion du documentaire. Je sais plus, par hasard je suis tombée donc sur le site internet, et j'ai commandé le DVD. Donc j'ai pu par la suite commencer aussi des échanges par mail avec toi, et plus tard aussi te rencontrer, parce que la partie diffusion du documentaire est aussi très importante, j'imagine, pour aussi passer ce message, dynamiser cet échange, créer des rencontres, des interactions. Oui, tout à fait. Donc, je t'en remercie d'ailleurs pour l'intérêt que tu as porté dès le départ à ce projet.
Tu m'as invité à venir sur place dans le cadre d'une éco-balade qui était absolument splendide et qu'on a pu clôturer par la diffusion de ce documentaire. Et donc effectivement, des fois c'est un petit mail qui peut faire que un documentaire parti de rien se retrouve au sud de la France et qu'il y a des gens qui se déplacent pour venir le voir. Enfin, c'est assez fou, quoi, comme histoire. Et donc, voilà, c'est comme tu dis, c'est une aventure humaine aussi. Pour en revenir à la diffusion du documentaire, donc, bien sûr que c'est un élément qui est important. Il est important pourquoi? Parce que l'idée initiale de ce projet, c'est de faire émerger des paroles qu'on entend nulle part ailleurs à la base. C'est-à-dire des paroles des propres Yanomami. C'est eux qui parlent, c'est eux qui disent les choses qui leur sont importantes. À travers le biais d'un documentaire de 25 minutes, ils ne vont évidemment pas pouvoir traduire toute la complexité de leur réalité. Mais c'est peut-être une carte de visite. C'est un début, ça peut intéresser les gens, ça peut les pousser à lire les choses peut-être, à voir que la manière dont on nous a présenté les Yanomami les 50 dernières années n'est peut-être pas la seule et unique manière valable. Je pense notamment à des auteurs américains comme Napoléon Chagnon, donc un célébrissime anthropologue qui, lui, malheureusement, il va dépeindre les Yanomami comme des sauvages, comme un peuple primitif, enfin primitif mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qui ne sait pas s'y prendre, qui est limite, qui n'a pas de culture, ou si jamais culture il y a, ce sera une culture marquée par la violence essentiellement. Et donc c'est encore un peu cette image-là qui est véhiculée à travers le monde. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de ses écrits, mais honnêtement, il y a d'autres anthropologues qui ont fait des études sur le même peuple et qui ont même écrit une lettre ouverte en se positionnant de manière assez ferme contre tout ce qui a été dit par cet anthropologue américain, où ils disent que ça ne correspond pas du tout à leur expérience de terrain et que c'est beaucoup plus nuancé que ça. En gros, si on veut effectivement la guerre peut être vue comme faisant partie de la culture Yanomami, mais pas plus ni moins que la paix. Oui, c'est ça, c'est que souvent alors on prend les Yanomami, ce n'est qu'un exemple pour parler de tant d'autres peuples, hein. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'effectivement, on a des sociologues, des anthropologues ou d'autres professions qui vont parler au nom des principaux intéressés, ce qui est important, et je soutiens cette démarche également, bien évidemment. C'est important d'avoir un regard externe sur sa propre culture, mais on ne peut pas dire que la vision d'un anthropologue a plus de valeur que la vision de quelqu'un qui fait partie de la culture dont on parle. Et donc c'est ça qui était intéressant dans ce documentaire là c'est justement que effectivement il y a un sociologue qui parle dans le documentaire, mais il y a aussi et surtout des Yanomami qui parlent et qui donnent leur point de vue, et donc les deux sont parfaitement complémentaires. Et c'est vraiment cette idée de donner la parole à ceux qui n'ont pas toujours accès aux médias. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours possible d'obtenir le DVD et de pouvoir le visionner chez soi, si on peut pas assister à une séance de diffusion? Oui, tout à fait. Donc, au départ, on en avait fait 1000 DVD, je pense. Donc, il y avait 1000 copies qui étaient prêtes. Aujourd'hui, il m'en reste à peu près 100, on va dire. Donc, d'ailleurs, ce qui est important, c'est que tout l'argent gagné par la vente de ce DVD revient à la communauté. Donc ça, c'était un point sur lequel j'étais très très clair dès le premier jour. Et donc ça s'est fait là il y a 2 mois, je crois. C'est-à-dire que j'ai repris toutes les recettes, toutes les donations que j'ai reçues dans le cadre de ce documentaire là et j'ai attendu qu'il y ait la création de la première association Yanomami dans l'état de l'Amazonie, qui s'appelle Kurikam. Donc c'est une association très jeune, il vient de se créer il y a pas très longtemps. Donc c'est une logique du monde occidental. Donc ce sont des normes qui doivent encore intérioriser comment gérer une association, qu'est-ce que ça représente, être encore davantage en contact avec une certaine partie du gouvernement, gérer de l'argent. Donc tout ça, ce sont des choses nouvelles. Et donc toutes les recettes que j'ai reçues pour le DVD là, elles ont été entièrement envoyées à Kurikam pour soutenir ce projet d'indépendance quelque part, pour renforcer cette volonté d'être indépendant, de pouvoir parler de leur propre voix en fait. Et ce qui fait que, si je me trompe pas, il y a 2500 euros qui ont été versés sur le compte de Kurikam. Ils viennent de le recevoir là il y a pas longtemps. Et donc voilà, donc je veux dire par là qu'effectivement chaque centime qui a été reversé pour ce DVD, il a été entièrement envoyé à la communauté, et ce ne sera pas moi ni quelqu'un d'autre qui va définir qu'est-ce qui sera fait avec cet argent. Non, je suis d'avis que
Ce sont les Yanomami qui sont les spécialistes de cette question, qui savent ce qui se passe sur le terrain, dans leur quotidien, et il n'y a personne mieux placé que eux pour définir quel projet serait intéressant pour eux. Après, effectivement, ils peuvent faire appel à des personnes externes, mais la demande viendra de l'apport de la communauté, parce qu'ils y voient du sens, parce que c'est important, et alors je pense que si un projet va naître d'une telle volonté, il ne pourra que bien se passer, parce que la demande provient de eux. Et est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours possible de soutenir cette action en achetant le DVD, ou est-ce qu'il est intéressant de s'orienter directement vers cette association? Voilà, quelles sont les possibilités pour nous de pouvoir agir à distance, de soutenir? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors, je pense qu'on peut agir à plusieurs niveaux. Hein. La première chose, c'est que si on veut vraiment soutenir le projet là où on soit, donc le fil rouge d'Alou, on peut effectivement souscrire à la chaîne Facebook, on peut partager certains contenus, on peut parler autour de soi de cette page Facebook qui existe, si on veut vraiment soutenir le projet du documentaire. Puis après, je pense que il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place. Ça peut notamment passer par une certaine lecture. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit, il y a surtout un auteur qui donne une certaine vision des Yanomami, mais après, il y en a plein d'autres qui viennent quelque part même démentir cette vision. Et là, je peux clairement suggérer l'anthropologue français Bruce Albert. Au lieu d'écrire uniquement sur les Yanomami, il a aussi écrit avec les Yanomami. C'est-à-dire que il a écrit tout un livre avec David Kopanawa, donc c'est un porte-parole probablement le plus connu des Yanomami, et donc qui est très 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 intéressant à lire aussi. Et ça vient donner une autre vision encore des Yanomami que celle présentée jusqu'à présent. Donc ça, c'est encore une autre manière de s'intéresser à cette question des Yanomami. Donc effectivement, il y a toujours la possibilité d'acheter un DVD, donc ça se fait à travers le site internet qui est disponible sur Facebook. Encore une fois, la même logique, l'argent, il va être transféré sur le compte de Kurikama, parce que c'est ce que j'ai convenu avec les Yanomami et je vais le respecter. Puis après, ce qu'on peut encore faire, c'est soutenir directement l'association Sequoia, qui depuis plus de 20 ans maintenant travaille avec les Yanomami sur place. Pour avoir fait mon stage chez eux, je peux vraiment confirmer que c'est une équipe qui travaille avec éthique, qui est très très sensible à cette question d'interculturalité, qui est sensible au fait de ne rien imposer aux Yanomami, mais de vraiment être dans la co-construction. Ils prennent vraiment en compte quels sont les besoins de la communauté. Donc voilà, ils sont dans cette optique de là, de on va construire ensemble quelque chose. Et donc c'est une association très très importante et très intéressante à soutenir, donc Sequoia. Et puis la dernière chose que je peux suggérer, c'est que s'il y a des projections qui sont organisées et qui elles se passent pas à côté de chez vous, ben c'est pas grave, invitez-moi à venir faire la projection chez vous, y a aucun souci. On peut s'organiser, l'important c'est d'ouvrir un certain débat, et je suis disponible pour me déplacer pour cela, ou sinon chacun peut se procurer les DVD et organiser des projections à droite et à gauche sans que je sois présent. L'important c'est d'éveiller cette curiosité et de lancer un débat, c'est ça qui est important. Bien, merci Mauro, c'était absolument intéressant de partager avec nous cette réalisation, ce voyage vers les Yanomami, et d'avoir échangé aussi sur la réalisation de ce projet de documentaire. J'invite tout le monde à visionner en tout cas, ou à se rendre sur mon site où il y a toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup Audrey en tout cas. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt sur l'atelierbucolique.com.